Qu'est-ce que c'est la précarité? C'est l'incapacité à pouvoir être certain de son avenir. Elle a 1000 visages et autant d'histoires. C'est celle qui s'affiche en jaune fluo sur un rond-point ou celle qui se cache derrière une façade. C'est l'incertitude de pouvoir finir ses études ou celle de donner à manger à ses enfants. En Corse, une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Mais la précarité, elle, touche bien plus de monde. Difficile pour les pouvoirs publics de la quantifier et de répondre à ces deux questions. Comment fait-on pour empêcher quelqu'un de tomber dans cette précarité et comment le sortir de cette précarité? Des gens tombés dans la précarité et même l'extrême précarité, lui en a connu des tas. Rudy Ange a passé des années sur la route et dans la rue. Il en est sorti il y a quelques mois, mais continue à pousser la porte de Fradelans. Cette association bastiaise offre un refuge à ceux qui n'ont plus rien. Une adresse, un toit, des douches et des machines à laver, de la chaleur surtout. Ici, Rudy Ange retrouve les bénévoles et d'anciens compagnons de galère. Pour lui, ces invisibles ont une histoire.